c'est le plus bel âge. En cette soirée où nos artistes se parlent de leurs plus beaux atours, Uniprix est heureuse de s'associer à Jameson pour vous remercier de votre attachement. Uniprix, 20 ans de petits soins et de grosses économies. Où c'est qui, lui? Mettons que vous êtes au téléphone. Ça veut dire? Ah, ben galons ça. Un autre appel. Avec l'affichage d'appel en attente, vous voyez qui appelle. Donc, tu réponds. Ou non. Parce qu'avec la télé-réponse, monsieur petit bonhomme, les personnes vous laissent un message que vous prenez quand vous voulez. Wow! Jusqu'au 31 octobre, profitez d'un mois gratis sur un ou même deux services étoiles de votre choix. Où c'est qui est? C'est ça qui est ça! Vous voulez ajouter du piquant dans votre vie? Avec du bœuf au menu, vous êtes en Espagne en 20 petites minutes. Faites griller un beefsteak au poivre tendre sur une grille très chaude. Tranchez des poivrons frais. Ajoutez du maïs. Versez de la soupe fiesta de tomates de Campbell. Ajoutez du jus de lime. Tranchez le beefsteak en fines lanières et disposez-les sur les légumes. Voilà un délicieux beefsteak fiesta en 20 minutes seulement. Le bœuf, ça vous grésille? L'appétit! La direction de Brault et Martineau a demandé aux jumeaux de pratiquer leurs mathématiques en magasin. Voyons les résultats. Ce mobilier de chambre 6 pièces valant 759 $, combien les jumeaux? 699 $. Incroyable! Et cette causeuse recouverte d'un tissu de qualité valant 369 $. S'il vous plaît, les jumeaux! 289 $, monsieur, de la folie! Achetez maintenant et ne payez qu'en septembre 98! Avec des prix aussi bas, il y a quelqu'un qui va en perdre la tête. Mais il y a plein de législations un peu partout. Entre autres, en Ontario, maintenant, ça prend 19 ans pour pouvoir acheter des cigarettes. Par contre, tu peux t'acheter un fusil à 18 ans. D'après moi, un coup que t'as un gun, tu peux avoir une cigarette que tu veux. Mais ils sont peut-être pas aussi totons qu'on pense, finalement, en Ontario. En Ontario, maintenant, les femmes ont le droit de se promener les seins nus. Hein? Ce qui ferait pas pour qu'on reste dans le Canada, eux autres. Daniel Lemire au Théâtre Saint-Denis du 11 au 15 novembre. Rencontrez donc Mariette Gendron. Selon elle, le sentiment de sécurité, ça ne tombe pas du ciel. Faut s'arranger pour le mériter. Mariette ne laisserait pas grand monde toucher à sa moto, et encore moins de monde toucher à son avenir financier. Les obligations d'épargne du Canada font partie de ses plans depuis longtemps. Quand on bâtit sur du solide, on peut aller loin. Bonne route, Mariette. En plus de féliciter tous les artistes qui prennent part à cette soirée, la famille des produits Kerry profite de l'occasion pour souligner les 20 ans d'Uniprix. L'artiste dit service à prix d'aubaine. Uniprix, 20 ans de petits soins et de grosses économies. Léger Pavlovski, t'as pas le droit d'inquiéter Étienne comme ça. Je vous demanderai d'accueillir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect les prochains présentateurs. Pour remettre le grand prix de l'Académie, voici la présidente de l'Académie au Québec, Mme Adrienne Bournival, et le directeur régional de la compagnie Ford au Canada, M. Gilles Contant. Vous avez entendu ce nom prédestiné, M. Contant. C'est sur mesure pour la fête d'aujourd'hui. Parce que nous sommes très contents que, dans cette salle, on puisse retrouver autant de talents et de personnalités réunis pour célébrer notre télévision et les émissions qui ont été jugées les meilleures pour l'année 96-97. C'est la 12e édition des Gémeaux et chaque année, la grande famille s'agrandit. L'Académie est très heureuse de pouvoir accueillir tout le monde et d'être le point de rassemblement sans frontières de tous ceux qui contribuent à la vitalité de notre télévision. Je sais que le temps est compté. J'aimerais personnellement remercier les 850 membres de l'Académie. Ils seront probablement 1000 demain. Merci de votre appui. C'est vraiment vous qui faites la force, la dynamique et la crédibilité de notre Académie. J'aimerais aussi remercier les téléspectateurs qui sont avec nous ce soir, les remercier d'aimer autant notre télévision, les remercier aussi de préférer nos histoires, nos auteurs, nos artistes à toutes les histoires qui viennent d'ailleurs.
On a ce soir beaucoup à célébrer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de réunir tous les talents et de réunir des ressources importantes. Et on a le privilège à l'Académie d'avoir beaucoup d'amis. La liste est longue. Je vais en mentionner quelques-uns. Ce sont des partenaires qui nous font confiance et qui veulent vraiment s'associer au développement et comme appui à la créativité québécoise et à notre télévision. J'aurais besoin d'un petit peu de notes pour ne pas tout oublier. Ce sont pour nous des amis. Ils sont essentiels et nous les apprécions beaucoup. Tout d'abord, je voudrais, dans le secteur public, souligner la participation de la SODEC. Elle est importante. Cette SODEC attentive aux multiples facettes de notre culture. À Téléfilm, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, je peux vous dire qu'on a déjà un scénario de concocter pour vos noces d'or, mais nous espérons bien que chaque année, d'ici là, vous allez penser à nous, que vous allez continuer à faire les bons combats. L'industrie a besoin de vous et notre télé dépend de vous également pour son succès et son excellence. Je veux aussi souligner l'engagement croissant du secteur privé. On a de beaux exemples sous les yeux. Uniprix a choisi l'Académie pour son 20e anniversaire. Monsieur Bossé, vous aurez 21 ans l'an prochain, on pourrait continuer de fêter ça. On a l'exemple de Ford du Canada qui est avec nous pour la 5e année et qui nous permet ce soir d'offrir le Grand Prix de l'Académie à un être exceptionnel. Je dirais même à un être unique, quelqu'un qui a propulsé notre télévision dans la modernité. C'est un homme de cœur, c'est un homme d'audace. Avant-gardiste est un trop petit mot pour le qualifier. Rappelez-vous ses plumes d'Indien, son bijou d'émission Graffiti, ses bébés caméras qui étaient distribués aux quatre coins de la grande ville de Montréal. Il a toujours su se remettre en question. Quelquefois, la vie s'en est chargée aussi. Et dans nos téléromans, c'est lui qui a donné le vrai droit de parole, une parole très juste, intelligente, aux jeunes enfants comme aux adolescents. Il nous a tranquillement apprivoisés aux propos adultes, aux sujets un peu trop délicats pour la télévision. Il nous a initiés à la complexité des relations amoureuses et familiales, au petit écran comme dans la vraie vie. Et il a su le faire parce qu'il savait parler de ces émotions-là, avec beaucoup de franchise, de sensibilité et quel talent. Il a présidé une commission et a inspiré à cette occasion un rapport bien écrit, ça se lit comme un roman. Et c'est encore pertinent aujourd'hui pour la survie et l'excellence de notre cinéma. C'est dans cette équipe que j'ai connu ce grand monsieur. C'était en 1981. Je l'aime depuis ce temps-là. J'ai réussi à ne pas dire son nom jusqu'à maintenant. Monsieur Contant, je vous laisse l'honneur et à moi le bonheur de l'embrasser quand il aura son Gémeaux en main. Merci, madame. C'est avec fierté que pour la 5e année de suite, Ford du Canada s'associe au Grand Prix de l'Académie. Pour nous, cette collaboration témoigne bien de l'engagement de Ford envers la culture québécoise et de l'importance que nous accordons à promouvoir le talent de nos artistes et artisans de la télévision. Je suis heureux au nom de Ford du Canada de remettre ce soir le Grand Prix de l'Académie à l'un des professionnels qui a le plus contribué à l'essor et au rayonnement de notre télévision, M. Guy Fournier. La fécondité de Guy Fournier lui aura donné une progéniture naturelle et télévisuelle, et dans certains cas, les deux à la fois. Pour nous parler justement du taux de fécondité de Guy Fournier, je vous demande d'accueillir ses deux fils qui œuvrent eux-mêmes dans le domaine de la télévision, l'auteur Christian Fournier et le producteur Éric Fournier. Ce n'est pas la première fois, j'en suis sûr, qu'on vous parle des liaisons dangereuses de notre père. Pardon, de ces liaisons amoureuses. Ce soir, nous allons vous en raconter une, cette très vieille liaison, la plus connue, la plus imprévisible, mais aussi sa plus fidèle liaison, la télévision. Que nous appelons, mon frère et moi, aussi maman. Maman. Cette maîtresse lui a appris, entre autres, que ça pouvait se faire à plusieurs. À plusieurs auteurs, évidemment.
des auteurs E surtout. C'est pourquoi, grâce à cette maman électronique et à ce père génial, mon frère et moi avons un tas de demi-sœurs. Je m'appelle Louise Pelletier. Suzanne et moi, on a commencé à travailler ensemble sur une série de Guy Fournier qui s'appelait « D'amour et d'amitié ». Depuis, ça a été le coup de foudre. Louise et moi, on a formé un duo d'auteurs et on a écrit à nous deux. Et puis notre petit dernier, sauf qui peut. On n'aurait jamais été deux sans toi. Merci, Guy. Merci. Mon nom est Joanne Arsenault, je suis l'auteur de 10-07 et j'ai travaillé avec Guy sur D'amour et d'amitié. Bonsoir, je suis Michelle Allen, j'écris Lobé, j'écris Diva. J'ai travaillé avec Guy sur D'amour et d'amitié et L'or et le papier. Ce soir, on aimerait profiter de cette occasion spéciale pour nous défouler parce que Guy était un monstre. Guy est exigeant, tyrannique, excessif, entêté. Mais on est obligé de lui pardonner parce que Guy était un monstre de générosité. Il nous a transmis sa fougue, sa foi, sa passion pour l'écriture. La veille d'un deadline, il nous arrive encore de faire des cauchemars à cause de lui. Merci, Guy. Merci, Guy. Bonsoir, je suis Chantal Cadieux. Après un repas entre Cadieux avec Guy, il m'a proposé d'écrire avec lui et son neveu Martin le téléroman entre Cadieux. Un jour, j'espère que j'aurai ma série à moi, et même si je ne suis ni Fournier ni Duval, je serai fière d'être une de ses héritières. Merci, Guy. Et toi, tu ne lui dis pas merci. Si t'avais pas montré à écrire Peau de banane, t'aurais jamais fait Chop Suey, Triplex, Jasmine, Bungalow Blues et ton premier long-métrage, Les Boys, en première le 3 décembre prochain, juste à côté. C'est vrai. Merci, papa. Mais toi, ça, lui, aurais-tu été le producteur de Qui vive, de Manon, de Libre-Échange et de Science Friction en ondes le vendredi soir à 17h30 à Télé-Québec? Ben oui. Non, Éric, il fallait que tu dises merci. Écoute, Christian, la première qualité d'un producteur, c'est de bien payer l'auteur. Après, on peut lui dire merci. Merci, papa. Mis à part nos demi-sœurs, d'autres femmes ont aussi marqué la vie de notre père. Toujours beaucoup de femmes, hein? Voici Maître Guy Fournier. Sans vouloir me lancer dans de sombres prédictions, j'entrevois déjà le jour où Radio-Canada sera entièrement dirigé par des femmes, laissant en chômage les hommes et les autres. Depuis le début du siècle, l'homme vit dans la crainte d'être remplacé par la machine. C'est une erreur. C'est la femme qui finira par le remplacer. La femme a beaucoup d'avantages sur la machine. Elle est plus compacte, moins coûteuse, plus facile d'entretien, et quoi qu'on puisse penser, elle ne se dérègle pas si souvent. C'est normal que tu deviennes de plus en plus obsédé en vieillissant parce que tu as de moins en moins de quoi te mettre sous la main. Tu es obligé de travailler beaucoup plus fort. Alors... Oui, mais je pense que vous devez travailler pas mal fort. En vrai, je travaille beaucoup, beaucoup. Puis j'ai une moyenne au bâton assez basse parce que, tu vois, je m'essaye à peu près... C'est vrai, j'ai jamais couché seul, mais je m'essaye à peu près 1000 fois par jour. Et, 1000 fois par jour? Oui, et je réussis juste une fois, alors, et souvent avec la bête. Maudisant. C'est plus fort qu'eux autres. La minute qu'il s'agit des femmes, ils se pensent des droits de propriété. Je voudrais remercier Guy d'avoir fait de moi la chipie nationale. Parce que c'est devenu ça, ce beau personnage de Marie-Josée Lafleur, que j'endose entièrement, d'ailleurs. Il est séduisant parce qu'il est très passionné. Il y a des grandes, grandes passions. Et la caractéristique de Guy, c'est qu'il réussit à embarquer à peu près tout le monde dans ses grandes passions. Je pourrais en énumérer des passions. D'abord, les femmes. Il en parle, il en rêve, il les écrit, il les décrit. Tu vois, moi, je commence à comprendre l'âme féminine. Ça doit être la salade. J'ai été pendant 20 ans la secrétaire de Guy Fournier.
Notre union a duré 20 ans, ce qui prouve que c'est un homme fidèle, extrêmement fidèle. Guy Fournier, pour moi, c'est avant tout un homme de cœur, mais qui s'est créé un affreux personnage de macho pour occulter sa sensibilité puis sa grandeur d'âme. C'est ça, Guy. Tant qu'on aura juste Judy Snyder pour défendre la culture et qu'on aura... qu'on verra à peu près jamais de théâtre, qu'on verra à peu près jamais de ballet, qu'on verra à peu près jamais de musique, ce qu'on voyait beaucoup il y a 15 ans, bien, je m'excuse. Si on prétend que la télévision n'a pas changé depuis 15 ans et qu'on a la même diversité qu'il y a 15 ans, bien, on regarde pas le même canal. Moi, je pense que Guy, c'est un homme qui a touché à tous les aspects de la télévision, autant au niveau de l'écriture qu'au niveau de la pensée télévisuelle. Et c'est un homme qui a fait beaucoup évoluer la télévision chez nous. Il a une vision de la télé. Lui, c'est un moraliste. À l'ancienne mode, je parle au 17e siècle. C'est le personnage qui observe les mœurs et qui en rend compte. Là. Dans ce sens-là, je ne veux pas dire un moraliste qui fait la morale. Là. Mais quelqu'un qui est intéressé par les mœurs des gens au sens très large. Si on est ensemble, Bernie, c'est justement parce que j'en voulais pas de femme. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas une femme qui t'aura enduré 15 ans comme moi. Comment ça? Parce que la femme d'aujourd'hui, elle se contente pas juste d'un sexe. Guy Fournier ne travaille pas en cliché. Il travaille toujours dans des dosages d'émotions, dans des dosages de défauts et de qualités. Ils sont jamais... On ne peut pas les définir en disant un mot, ces personnages. On ne peut pas les définir en disant qu'ils sont bons, ils sont mauvais, sont forts, sont faibles. Je pense que c'est cette subtilité-là qui a apporté à ces personnages qui a apporté une autre dimension à la télévision. Fournier ne veut pas qu'on change de son texte. Et puis, il faut dire exactement le mot exact. Et puis ça, il a parfaitement raison. J'étais domptée de ça, moi, chez Gracien Gélina. Parce que si on changeait une virgule, là, ça marchait plus. Ah, c'est un... Sainte-Canice. Simonac. Je pense que c'est un impulsif, Guy. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être, des fois, qu'il pense un peu plus. Et parfois, qu'il écoute aussi les conseils des gens, ce qu'il ne fait jamais. Tu te souviens, Guy, je t'ai acheté une petite tablette sur laquelle c'était écrit « Prends le temps de réfléchir avant de parler. Oublie jamais ça ». Eh bien, je serais très, très contente de lui dire que ça me plaît beaucoup, puis que je l'aime, et que je suis contente qu'il obtienne un beau cadeau comme ça. Est-ce que Guy, pardon, ici, merci, est-ce que Guy est ce qu'il est grâce à la télévision? Ou est-ce que la télévision québécoise...